Et Oui. sous nos sourbés, Yahweh nous sourbes. Et sous nos sourbés, Yahweh nous sourbes. Sourbes sont madures, sont mignables, atau comme terre. Sourbes sont madures, sont mignables, atau comme son.
Première cause, ce qui t'a tout cas t'as tu d'un acquête coulectadie et du zao cause, ce casse boulu t'en ha. Voilà, tout simplement. Ben, moi, en fait, ce qui m'a plu dans l'exercice de travailler sur ce collectage, c'est la continuité dans laquelle ça te place, en fait. C'est-à-dire que ben, moi, ce que je trouve hyper touchant, c'est que cette dame, Marguerite Pinsol, qui a chanté dans les années 60 dans sa cuisine, ben, elle a chanté devant un micro, devant un collecteur. Et, voilà, elle a comme lancé en fait une bouteille à la mer qu'on a rattrapée 60 ans plus tard. Voilà, donc ça te place en fait dans une continuité qui te connecte à un truc extrêmement ancien, extrêmement profond, et à la fois qui passe par ton filtre, par nos mécaniques sensibles, en fait, no, no, notre côté vivant, notre côté humain, et qu'on transmet à notre tour avec toute notre contemporanéité. C'est hyper dur à dire, j'ai essayé de bien articuler, avec toute notre contemporanéité, c'est-à-dire avec toute notre force renouvelée au présent, on va dire. C'est-à-dire, il n'y a pas de. On se renouvelle tout le temps et voilà, du coup j'avais envie d'exprimer ce collectage avec ce que je suis actuellement qui sera très différent de ce que je serai dans un an et peut-être qu'on m'aurait donné ce collectage dans un an et bien, ça aurait été encore différent. C'est une démarche en fait qu'on a artistique avec Artus depuis le début, Artus le groupe principal dans lequel je suis et que je salue d'ailleurs et on a toujours travaillé comme ça, voilà, une démarche de travailler sur le patrimoine culturel matériel avec le bagage qu'on nous a transmis, le bagage que nous a transmis nos pères et le renouveler tout le temps au présent, voilà, dans notre présent de maintenant et qui n'est pas pareil que le présent d'après, voilà. Et du coup, pour être tout à fait terre à terre, ce que j'ai voilà, pour parler de trucs un peu, on va dire, pratiques, ben, j'ai voulu. Actuellement, je suis vachement, on va dire, intéressé par. Enfin, j'ai toujours hyper été intéressé par la musique à bourdon et compagnie, évidemment. Et mais en ce moment, là, je suis un peu dans le travail d'un solo, là, avec qui questionne un peu le rapport au bourdon, faire vraiment sentir le bourdon, faire émerger le bourdon, des fois hyper fort, des fois pas fort du tout, etc. J'utilise un système, le système que vous avez vu, que j'utilise dans mon solo, voilà. Et du coup, j'aime bien faire émerger cette notion de bourdon au travers, lancer des gros bruits et en fait qu'émergent des toutes petites choses derrière, en fait. Et en fait, tu t'es pas rendu compte, mais cette petite chose, elle existait, elle était là avant, voilà. Donc, je me suis amusé avec ça. Et j'admets, j'aime beaucoup la musique à danser, évidemment. Donc, j'aime beaucoup taper du pied, j'aime beaucoup frapper du pied sur la terre. Voilà, C'est donc j'ai un petit côté un peu bourrin, voilà, et un j'ai voulu voilà partager, voilà, pour en fait engager tout le corps. Blague à part, dans le solo, j'engage tout le corps, ce qui n'est pas simple, mais ce qui est vachement beau au final, en fait. C'est-à-dire qu'il y a mes pieds qui travaillent, il y a le violon et il y a la voix. Donc il y a tout un truc, en fait, qui se met comme une sorte de mur de son. Voilà, c'est ce que j'ai voulu retransmettre. Parce que c'est très puissant ce qu'elle a chanté, cette dame. Et voilà.